Bonjour, ici Béa de l'équipe créative de chez Happy Little Fox. Alors aujourd'hui, nous sommes le 4 juin, jour de la fête des mamans. Je vous souhaite une excellente fête à vous toutes, mamans scrappeuses ou pas. On se retrouve principalement aujourd'hui pour la découverte ensemble de la nouvelle collection de chez Happy Little Fox qui s'appelle Ray la Blanche. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, cette collection porte le nom, que ce soit au niveau des tampons, certains motifs, planches de tampons matrices, de certains lieux de l'île de Ré, notre chère île de Ré, très 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 jolie île, dans laquelle je suis allée 2 fois, mais il y a fort longtemps. Pour rassurer certaines qui ont eu un coup de cœur pour la collection, mais qui ne sont jamais allées à l'île de Ré et qui ne l'envisagent pas pour le moment, sachez que je n'ai pas de photos de mes vacances à l'époque. C'est vraiment très ancien, plus de 30 ans. Je n'ai personnellement rien à scraper de l'île de Ré. Par contre, j'ai des photos de vacances, j'ai des photos dans le combo, j'ai des photos d'été. Pas simplement des vacances, et cette collection n'est pas ciblée sur l'île de Ré. Bien sûr, elle parlera un peu plus à celles et ceux qui sont allés en vacances par chance sur cette jolie île, mais voilà, je voulais vous préciser que bien évidemment, on peut utiliser parfaitement et facilement cette collection, même si on n'a pas de photos de ce magnifique endroit. Alors, on va commencer par les stickers. Donc, les stickers relief, donc style Puffy. Alors, vous découvrez le combo de la collection. Donc, un bleu gris, un bleu ciel, du mint, du blanc. Du bleu vraiment très soutenu, vous voyez. Ça n'est pas du noir, c'est du bleu foncé. Et puis, du beige couleur sable et un joli vieux rose. Magnifique vieux rose. Voilà pour les stickers relief, donc des formes différentes comme vous le voyez. Voilà. On a ensuite mes chouchous, les planches de transfert. Alors, absolument sublime. Dites-moi vraiment si vous les utilisez. Dites-moi si vous allez en acheter. Moi, je suis raide, raide, dingue de ces. Regardez-moi. Les couleurs. Ça fait un effet quand on les gratouille sur les pages. Hein, moi, j'adore. Et même sur les photos. Lors de mon mini, dans mon mini sur la précédente collection, j'ai utilisé sur les photos. Franchement, le rendu est juste sublime. Voici la seconde planche. Des mots, des motifs, rose des vents, les fleurs, magnifiques, les roses trémières. Regardez-moi la baleine, les coquillages, cette fleur sublime. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour les transferts de chez Happy. J'adore. On n'en a pas assez. On n'en a pas assez dans chaque collection. Voici. Une jolie, très jolie nouveauté des chipboards. Alors, je tiens à vous préciser également que nous avons connu, nous anciennes scrappeuses, des chipboards épais, épais. Ceux-ci ne sont pas épais. Regardez. Ça doit faire 1 mm. Vraiment une finesse. Donc vous avez. Alors, hop, on peut reconstituer si on veut. Et évidemment, on peut utiliser séparément. On obtient ainsi des polas, des carrés, des cadres. Des mini polas, des mini carrés, des mini cadres. Voyez, dans tout le combo de la collection, encore une fois. Une jolie nouveauté, les chipboards Ray la Blanche. Une planche de die cuts. Oh, des die cuts, mais elle est vide. Oui, parce que, hop, 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 je vous ai préparé. Voilà, pour vous montrer un petit peu.
tous les die-cuts. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a énormément parce que vous ne voyez pas tout. Il y en a encore beaucoup sous certains motifs. Donc voilà, des motifs, des objets. Regardez-moi un peu ça. Toujours dans le combo. La baleine, des fleurs, des grands mots. Magnifique, j'adore, j'adore. Regardez-moi ce combo. Des mots, bateaux, des étiquettes sans les mots, des grands titres. Absolument sublime. Des coquillages, coquille Saint-Jacques. Regardez-moi. Ah, vraiment, 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 vraiment. Magali, merci, merci, merci pour cette collection absolument sublime. On va passer au set de matrice. Alors, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence par cette bulle. Vous êtes habitué, si vous connaissez bien la marque maintenant, Happy Little Fox. Chaque collection renferme une bulle. Donc, selon les saisons. Et ici, nous avons le thème, évidemment, de la mer. Donc, nous avons la bulle sous-marine. Magnifique. Je vais vous donner une idée de sa taille assez grande, 8 cm. Voilà. Et j'ai pensé aussi, en découvrant la collection, qu'on peut ici couper à ras, obtenir le ronceul et puis ensuite s'amuser à décorer nos créations avec ces algues ou ces coraux. Voilà. Ensuite, une planche vacances, donc des onglets, des breloques, les tongs magnifiques, carpe diem, le grand mot vacances. Le grand mot vacances que l'on pourra utiliser, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, mon set de matrice chouchou, Happy à la mer, une bouée, un seau, des accessoires, des petites chaussons, des petites chaussures de mer, les lunettes en forme de cœur, le bob, le ciré, le maillot de bain, à combiner avec les matrices Happy le renard de la collection précédente, le monde d'Happy. Vous avez ici de base le petit Happy, et puis hop, on vient l'habiller pour la mer. Alors, pour celles qui ne me suivent pas forcément, voilà. J'ai fait cette carte dans la collection précédente. Sois fière, libre et audacieuse, ose découvrir. C'est pour vous montrer. Donc, eh bien oui, de base, il s'agit de cette matrice. Donc, dans le craft, que je suis venue habiller de la petite robe coupée dans un papier imprimé de la collection, le petit nœud dans les cheveux, les jolies chaussures, le bouquet, je l'ai fabriqué avec des transferts moi-même. Voilà, pour vous donner une idée, j'ai hâte de voir cette petite demoiselle en maillot de bain. Voilà. Ensuite, nous avons comme matrice les cadres délicats. Donc, deux cadres carrés, clic-clac, un appareil photo, et puis deux mots, photo et zoom. Les carrés font 4,5 cm. Alors, ce sont des faux carrés, pas tout à fait droits. Moi, j'adore. Ça donne du mouvement. On a ensuite la planche souvenir d'été. Donc, souvenir d'été avec des mots très très fins qui se combinent. Donc, meilleur souvenir, souvenir d'été. Vous pouvez évidemment utiliser les mots seuls. Et le grand mot souvenir va pouvoir se loger, comme dans les collections précédentes, pardon, sur cette nouvelle matrice moodboard, la matrice numéro 3, moodboard numéro 3. Donc, hop, on peut venir ici y mettre ou pas le grand mot souvenir. Et pourquoi pas le grand mot vacances, bien sûr. Alors ici, une brillante idée
Ce moodboard ne contient pas seulement des carrés. Alors évidemment, vous allez avoir des carrés qui vont partir. Vous avez ici deux combinaisons d'éléments qui vont venir embosser le papier. Et en fait, ici, ce sont simplement des breloques à récupérer. Vous pouvez les laisser, vous pouvez les récupérer. Donc vous avez à la fois des breloques, à la fois le moodboard. Un très très bel achat, très utile. On passe ensuite aux tampons. Alors les tampons, 6 planches également, 6 planches de die, 6 planches de tampons. Au niveau tampon, moi je suis archi fan. Vous me direz, n'hésitez pas en commentaire. La première planche, une de mes chouchous, qui s'appelle le bois plage. Alors le bois plage nous propose des coquillages, des jolis mots, des grands mots, petite définition du farniente, encore des coquillages, cette demoiselle au livre, mon coup de cœur, ce panier, j'adore, la plage, des petits mots, douce brise, grand large, enfin vous voyez, vraiment de quoi faire. Magnifique, j'adore cette police. La seconde planche, deuxième chouchou, la couarde. Alors les roses trémières, absolument sublime. Un petit tour au marché, à bicyclette, balade, et ça, alors ça. Qui n'a pas chez soi ce petit bol breton? Et là, on a poussin, chaton, maman et papa. J'ai un souci de téléphone qui glisse dans le support d'accroche. Donc, je disais, qui n'a pas dans ses placards de cuisine les petits bols bretons blancs et bleus? Moi, je les ai. Alors, c'est pas marqué poussin, chaton, mais j'adore l'idée, j'adore, j'adore. Un joli bateau, un vélo fleuri, pardon. Encore ces très jolies roses trémières. Des mots en famille, maison de vacances. Vraiment une planche magnifique. Oserais-je dire que la troisième planche est également une planche chouchou? Elle s'appelle Saint-Clément des baleines. Donc évidemment, une baleine, une marinière, un magnifique phare, mouette, rose des vents, un voilier, des mots. Magnifique. La quatrième planche, la planche Rivedoux. Des fleurs. J'adore les pancartes. Vacances. Encore un grand mot escapade. Été. Des fleurs. On est bien ici. Le ciel, le soleil et la mer. La vie est douce en bord de mer. Sur la côte. Voilà. Encore deux planches chouchou à venir. La planche bois. Donc ici, un ciré, des bottes, petit loup de mer. Encore un grand mot avec la police que j'aime. Et regardez-moi cette devanture du bazar de la plage. Pour les fans de colo, c'est pour vous. Des magnifiques scénettes à composer. Absolument magnifique cette planche. Et regardez la deuxième. On a la crêperie. Eh oui, donc c'est la planche Saint-Martin. Au bord, pur beurre, le meilleur de l'été. Encore cette police, une petite encre. Ce cornet de glace classique pour l'été. Et la crêperie avec la devanture en terrasse. Le caramel au beurre salé, la fleur de sel, des glaces, crêperie. Tout ce qu'on aime en vacances. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ces planches de tampon. On va passer à la collection de papier. Alors, comme toujours, ajouté au papier, nous avons un acétate avec des croix marines blanches. Magnifique. On a également un simili-cuir bleu-gris. Très joli avec une ligne blanche.
Je rappelle, très facile à utiliser, très facile à découper au massicot, très facile à coller. Ensuite, les papiers. Alors, 6 comme d'habitude dans cette collection. Alors, je les reçois en deux exemplaires. Donc, ça va m'éviter de les tourner recto verso. Le premier papier. Donc, la planche, vous savez, comme d'habitude, dans les collections, on a une planche avec des cartes, on va dire, style PL. Donc, des petits carrés, vous avez le combo, des mots, des motifs, carré encore, la format normale, 3 x 4 pouces, des petites étiquettes à découper avec plein de jolis mots. Voilà. Et au verso, un magnifique faux aquarelle, je vais dire. Donc, de ce bleu foncé dont je vous parlais au début. Ça, c'est le papier numéro 1. Le papier numéro 2, le papier à étiquette. Donc, on n'avait pas assez de die cuts. On n'en a jamais assez, remarquez. Donc, on a encore ici un papier qui peut se découper complètement. Des étiquettes rondes, des étiquettes mots, des grandes bandes de papier imprimées, encore des mots, encore des mots, des motifs. Et au dos, un joli papier vert, faux aquarelles. Le papier numéro 3, une rose des vents, avec un papier ligné. Et au dos, un motif que vous reconnaîtrez peut-être présent dans d'autres collections, mais cette fois-ci en gris. Alors, ça fait peut-être un peu taupe à la caméra, mais il est gris. Papier numéro 4, magnifique, un de mes chouchous. On dirait du sable. Et dedans, plein, plein, plein de mots que vous pouvez découper pour vous créer des nouveaux titres, des embellissements. Ce que vous voulez, voyez. Téléphone ne tient pas. Donc voilà. Beaucoup, beaucoup de mots. Bateau, marée haute, escapade, le grand large, en famille, vacances, soleil. Et au dos, une petite rayure de différentes couleurs. Le rose, le bleu marine, le combo en fait. Voilà. Le papier numéro 5, mon chouchou, mon chouchou, mon chouchou, recto, verso. Les deux chouchous qui vont parfaitement ensemble. Ça me fait penser aux nappes de pique-nique. Donc un motif fleuri avec ce joli vieux rose. Et puis un motif de nappe de pique-nique. Et le dernier, j'adore aussi, du bleu ciel avec des vagues. Et au dos, des pois bleu marine. Voilà pour la collection Ray la Blanche. Alors, qu'en pensez-vous? Elle est juste magnifique. Pour moi, voilà, elle est classique sans être classique. Elle est pas du tout, donc je vous dis, elle n'est pas du tout ciblée l'île de Ré. Voilà, c'est non, non, c'est vraiment une collection de vacances. Pour tous les lieux de vacances où vous irez, où vous êtes allé, les die cuts, donc grande nouveauté. N'oubliez pas de commander si ce n'est fait pour vraiment vous amuser et profiter du set, qui s'appelle Happy à la mer, je crois. Oui, Happy à la mer. N'oubliez pas de ressortir ou de commander Happy le renard. Pour profiter au mieux de ce set. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais ça se combine, c'est fait exprès. Et quelque chose me dit que d'autres collections sont à venir, donc peut-être d'autres accessoires pour Happy et son ami. Voilà, et eh bien écoutez, dites-moi, n'hésitez pas, dites-moi si vous aimez cette collection, si vous pensez craquer. Elle sort le 9 juin sur la boutique de Happy ainsi que chez tous les revendeurs.
Voilà, n'hésitez pas, notez la date dans vos agendas pour ne pas oublier. Et merci de me suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Encore bonne fête des mamans. Au revoir.